ces trois visites ont fait couler beaucoup d'encre au Maroc, politiquement et médiatiquement, y compris sur les réseaux sociaux, en faisant délier la langue de ceux qui voient dans toute initiative ou tentative de rapprochement franco-marocain, aussi normale soit-elle, une offense ou une menace dirigée contre eux. Nous entendons évidemment les dirigeants politico-militaires algériens qui ne cachent même plus cette drôle de réaction, directement ou indirectement. Par suite, leur hostilité envers le Maroc augmenterait d'intensité en voyant dans les jours à venir le nombre de visites ministérielles augmenter mutuellement entre Paris et Rabat, comme l'a promis l'ambassadeur français au Maroc, M. Christophe Lecourtier. C'est beaucoup de ministres qui aujourd'hui viennent tour à tour discuter avec leurs homologues à Rabat ou les accueillent en France. Toutefois, le Maroc, roi et peuple, attend de ce mouvement gouvernemental bilatéral dynamique des résultats concrets et fructueux, dont la condition fondamentale réside sans aucun doute sur la marocanité du Sahara. Et c'est ce que nous tâcherons également de démontrer prochainement. Mais que pourrait-on dire scientifiquement de l'état actuel des relations entre Paris et Rabat après plusieurs mois de turbulences, en écartant les visions et les positions politico-politiciennes ou d'ordre purement géostratégique? Quel bilan et quelle perspective d'avenir pourrait-on faire en incluant dans l'analyse la question primordiale et centrale qui n'est autre que celle du Sahara marocain? Voilà, en somme, un exercice bien complexe que nous tenterons néanmoins dans cette série inédite sur le sujet en question. Une série que nous entamerons dans les prochaines 72 heures, soit samedi prochain, avec une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron. Nous y expliquerons d'entrée de jeu les raisons et les attentes en rappelant des réalités fondamentales sur l'intégrité territoriale du Maroc et les divers sacrifices consentis pacifiquement par la nation marocaine en la matière. Afin que la France comprenne enfin à quelle fin devrait-elle agir pour mettre fin à une situation qui ne devrait pas durer sans fin. Premièrement, la marocanité historique du Sahara occidental. Deuxièmement, la décolonisation optimale du Sahara marocain.
Troisièmement, le caractère existentiel du Sahara marocain. Monsieur le Président, je vous écris sur injonction de ma conscience de citoyen marocain. Je vous dirai plus loin, vers la fin de cette lettre, pourquoi je sens parfois un gros chagrin au cœur en réalisant que ma patrie a été opprimée, blessée, lésée et frustrée dans son intégrité territoriale par une France coloniale du XXe siècle. À travers des actes d'État dont on ne peut vous faire des reproches, car vous n'en avez l'ombre d'une implication ni le brin d'une responsabilité. Car vous n'étiez pas encore né comme vous l'avez déclaré un jour, et vous êtes donc de la génération post-coloniale. Mais ça, c'est du passé. Le Maroc regarde le futur en travaillant au présent dans ses relations extérieures pour aller de l'avant. Et différemment du régime algérien, le Maroc ne fait pas de la rente mémoriale avec la France. Et à chacun d'entre vous, chers auditeurs ou téléspectateurs, je dirais, j'ose espérer vous prendre aux tripes à travers cette modeste lettre et ne vous relâcher qu'une fois sa dernière page refermée ou lorsque son dernier terme aura saisi votre « oui ».